Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse de venir vous présenter le dispositif Pôle d'Excellence, nouvelle génération, puisque vous l'avez compris, celui-ci fait suite à un premier dispositif auquel nous avons apporté quelques aménagements suite au retour d'expérience des pôles participants. Nous vous proposons une présentation en 3 temps. Tout d'abord, nous vous rappellerons les objectifs et vous présenterons les modalités d'accompagnement du dispositif. Ensuite, nous vous donnerons quelques éléments d'information concernant les pôles et les projets qui sont intégrés dans cette nouvelle version. Et enfin, nous vous apporterons de la visibilité sur les prochaines étapes. 5 grands objectifs à ce dispositif. Bien sûr, vous apportez un soutien méthodologique pour la réussite de votre projet opérationnel que vous avez choisi pour votre pôle. Projet donc utile, que vous auriez dû mener de toute manière. Donc oui, certes, le projet ANAP est chronophage, mais c'est un temps que vous auriez dû accorder de toute façon à votre projet. Ensuite, bien sûr, et surtout, vous permettre d'acquérir des méthodes et des outils qui sont reproductibles sur d'autres projets. Vous permettre de développer des compétences en gestion de projet, en management, qui soient pérennes. Enfin, vous donnez l'opportunité de travailler sur votre positionnement en tant que chef de pôle et sur vos modalités de collaboration avec vos équipes. Et vous donnez un lieu, un moment de partage d'expériences, d'échanges avec d'autres chefs de pôle. Pour atteindre ces 5 objectifs, nous vous proposons donc ce dispositif de 18 mois qui repose sur 3 modalités d'intervention. Une formation à la gestion de projet et à la conduite du changement qui vous transférera un certain nombre de bonnes pratiques, d'outils dont on parlait les chefs de pôle des 100 pôles qui ont précédemment explicité leur parcours. Cette formation sera également conçue comme un moment de pré-cadrage de votre projet. Ce sera un véritable préalable au coaching. Deuxième modalité, le coaching, qui vous permettra de structurer votre démarche d'amélioration en 2 phases. Une première phase pour recadrer votre projet, affiner votre objectif et établir un plan d'action. Une seconde phase, axée sur la mise en œuvre, phase plus longue avec des sessions plus espacées. Cela sera bien sûr l'occasion, comme on l'a dit, de partager vos expériences et d'échanger avec d'autres chefs de pôle. Troisième modalité, un appui téléphonique. Appui téléphonique qui est un appui personnalisé, puisque là vous serez en vis-à-vis avec le chef de pôle et non plus en groupe. Cela vous permettra de travailler de manière beaucoup plus personnalisée sur votre projet, mais surtout sur vos problématiques de management et de positionnement. Le dispositif sera clôturé par 2 événements, une clôture projet qui sera l'occasion pour vous de faire un bilan et de faire un exercice de communication sur votre projet et sur votre démarche d'amélioration, et une clôture nationale qui sera un événement comme aujourd'hui qui permettra de faire le bilan du dispositif dans sa globalité. Avant de vous parler des modalités d'animation, je souhaite apporter un petit point d'éclaircissement pour les quelques représentants d'outre-mer qui sont ici dans la salle. Ce dispositif a bien sûr dû être adapté, puisque la distance fait que nous n'avons pas pu ni organiser de groupes sur place, n'ayant pas assez de pôles au sein des îles, ni les faire venir 6 fois en France, enfin en métropole, pardon. Du coup, nous avons adapté le dispositif et j'y reviendrai tout à l'heure. Sur les modalités d'animation, donc il s'agira d'un coaching en groupe, collectif. Vous allez être intégré dans un groupe, donc nous avons aujourd'hui 18 groupes, de 5 à 7 chefs de pôle, donc petit comité. Votre groupe sera suivi pendant tout au long du dispositif par un même coach, de la formation jusqu'à la clôture. Les groupes ont été constitués sur un critère de proximité géographique. Ainsi, vous serez avec des chefs de pôle géographiquement proches et vous pourrez donc vous réunir au sein des établissements qui composent le groupe. De ce fait, mais aussi volontairement, comme on en a discuté tout à l'heure, les groupes sont hétérogènes. Vous aurez des chefs de pôle de différentes activités, différentes spécialités, qui proviennent de types d'établissements différents, avec des projets totalement différents également. Nous sommes convaincus que c'est ce qui fait la richesse des groupes et ce qui permet de créer une émulation et de se cibler sur les problématiques de gestion de projet et de management. Mais, allez-vous me dire, vous nous parlez de coaching. Mais qu'est-ce donc que cette bête, le coaching ? Eh bien, le coaching, ça n'est ni du conseil, ni de la formation. C'est une modalité très particulière d'intervention qui s'appuie sur un questionnement stratégique et des apports méthodologiques. Ça permet aux participants de prendre du recul, d'analyser une situation et de cheminer par soi-même vers la solution qui nous est la plus adaptée. Au-delà d'atteindre des objectifs concrets d'amélioration, l'objectif est de vous apporter compétence et autonomie sur le long terme. Cela s'inscrit dans un cadre de bienveillance, mais également de confidentialité. Alors, plus concrètement, je souhaiterais faire un zoom sur le coaching qui est vraiment le cœur du dispositif. Donc, il s'agit d'un parcours structuré avec une première phase de cadrage. À la fin de cette phase de cadrage, l'objectif est que vous ayez recadré votre projet, puisque vous vous êtes inscrit il y a un certain temps, les choses ont pu bouger, peut-être que votre projet est trop ambitieux, peut-être qu'il faut repréciser son périmètre, que vous ayez pu travailler donc sur ce diagnostic, identifier des actions, les prioriser, écrire un plan d'action, et ensuite que vous ayez pu identifier un indicateur qui puisse mesurer si vous allez atteindre votre cible. Tout ceci sera intégré dans un contrat projet qui sera validé par votre direction et qui permettra d'inscrire finalement quel est le chemin que vous souhaitez parcourir pour atteindre quel objectif. Deuxième phase, une phase de mise en œuvre. Vous allez mettre en œuvre les actions que vous avez prédéfinies avec vos équipes. Comment ça va se passer? Vous allez venir en session, vous allez expliquer à votre groupe et à votre coach qu'est-ce que vous avez pu réaliser depuis la dernière fois? Mes avancées, mes réussites, mes difficultés, mes contraintes. Le groupe va pouvoir travailler collectivement à la résolution de vos difficultés. Le coach va vous apporter des apports méthodologiques, des conseils, va vous questionner pour vous faire trouver vous-même vos propres solutions. Également, le coach va pouvoir avoir un apport d'enseignement méthodologique sur différentes thématiques que vous aurez pu identifier avec lui, du type « Comment gérer mon temps de chef de pôle lorsque je suis clinicien ?», « Comment faire le marketing de mes activités ?» et bien d'autres. Enfin, une troisième phase, une phase de bilan. Prendre du recul, regarder derrière soi et se dire « Finalement, quelles ont été mes réussites ? Est-ce que j'ai vécu du changement ?» Savoir aussi communiquer, valoriser son projet, en tirer les enseignements, et puis bien sûr se projeter. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment vais-je pouvoir stabiliser les acquis au cours du projet? Ceci s'intégrera dans un poster bilan. Vous avez d'ailleurs pu voir quelques exemples de posters qui sont affichés dans le couloir. Pour les DOM, les sessions ne pourront pas être physiques, comme je l'ai dit. Donc, il y aura un fil rouge identique en termes d'approche pédagogique, d'approche méthodologique aux autres participants. Cependant, il s'agira de sessions plus courtes, des sessions téléphoniques ou en visio. Et là, vous aurez la chance d'avoir un coach vraiment personnalisé puisque vous serez seul avec votre coach. Néanmoins, pour vous permettre d'échanger avec les autres chefs de pôle, vous intégrerez un groupe physique à Paris pour la formation. Les sessions se feront ensuite par téléphone ou en visio et vous aurez l'occasion d'intégrer les différents événements nationaux que va vous présenter Eva tout de suite. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Eva pour la suite du dispositif. Alors effectivement, en complément du dispositif de coaching qu'Aurélie vous a présenté, Nous avons souhaité vous proposer un certain nombre de modalités complémentaires dont l'objectif est de vous permettre de tirer bénéfice le plus possible de l'inscription dans un dispositif national auquel participent une centaine de vos collègues. Donc, nous vous proposerons d'une part des modalités d'animation de communauté, donc des journées thématiques, et puis une lettre du projet qui sera rédigée par l'équipe, et puis des modalités de production collective, ce que nous appelons aussi dans le jargon de l'ANAP de la capitalisation, donc la constitution d'une bibliothèque d'outils et puis des ateliers de travail. Alors, en ce qui concerne les ateliers thématiques, notre objectif était de prolonger une démarche que nous avions initiée avec les chefs de pôle qui ont participé au dispositif des pôles d'excellence, puisqu'avec un groupe d'une quinzaine de chefs de pôle volontaires, nous avions travaillé à la formalisation d'une fiche de fonction du chef de pôle, donc qui permettait de formaliser les missions du chef de pôle et puis les compétences requises pour les exercer. Et nous avions soumis cette fiche de fonction à un groupe de travail de directeurs d'hôpitaux, directeurs référents de pôle. Et ce travail qui avait été très intéressant et assez riche d'échanges avait abouti à la publication d'un guide. Et nous avons souhaité prolonger cette réflexion en entamant donc une réflexion complémentaire sur les rôles, les missions et les modalités de collaboration entre les acteurs du trio de pôle et même du quatuor de pôle que sont le cadre soignant de pôle, le cadre administratif et le directeur référent. Et puis, nous souhaitons aussi mener une réflexion sur la thématique de la délégation de gestion. Donc, nous ferons en ce sens un appel à volontaires, l'objectif étant de réunir au sein de groupes de travail des représentants des différentes fonctions avec l'ambition d'aboutir à la publication d'un guide qui comportera donc les fiches de fonction des acteurs du quatuor de pôle, un outil d'auto-évaluation qui permettra de qualifier le fonctionnement du trio ou du quatuor de pôle et éventuellement d'identifier des axes d'amélioration, et puis des retours d'expérience des participants sur la thématique de la délégation de gestion. Donc ça, c'est un travail qui vous sera proposé sur la base, bien sûr, du volontariat. Nous vous proposons parallèlement de contribuer à la constitution d'une bibliothèque d'outils. En fait, l'idée est assez simple. Nous avons identifié une série d'outils qui sont utilisés par la plupart des pôles pour leur gouvernance et leur pilotage quotidien, que sont le contrat de pôle, le projet de pôle, les tableaux de bord de suivi. Et nous nous rendons compte que nous sommes assez régulièrement sollicités à l'ANAP par des établissements qui souhaitent obtenir un modèle de l'un ou l'autre de ces outils. Donc l'idée, si vous en êtes d'accord, serait de vous proposer de nous transmettre les outils que vous utilisez au quotidien et que nous, à l'ANAP, nous nous chargions d'en organiser le tri et le partage pour les mettre à disposition donc de l'ensemble des pôles impliqués dans le dispositif sur un site internet qui sera dédié au projet, et ça vous permettra ainsi d'accéder à une bibliothèque d'outils que vous pourrez consulter dans le cadre de la réflexion que vous pouvez mener sur l'amélioration de vos propres outils. Nous vous proposons donc parallèlement à ce travail de production collective un certain nombre de modalités d'animation de communauté. Donc d'abord une lettre du projet qui sera rédigée par l'équipe de l'ANAP et publiée à échéance régulière, et dans laquelle nous présenterons un projet, un outil, une bonne pratique qui aura été développée par un chef de pôle participant au dispositif, ce qui vous permettra de vous tenir au courant de ce qui se fait dans des groupes qui ne seraient pas votre groupe de coaching. Nous vous proposerons également, parce que c'est vrai que ça avait été une demande de certains chefs de pôle qui avaient participé au dispositif précédent, des journées thématiques auxquelles vous pourrez participer bien sûr sur la base du volontariat. Les thèmes ne sont pas encore identifiés parce que nous souhaitons vous consulter pour identifier les thèmes qui vous intéresseront le plus grand nombre d'entre vous. Et donc ces journées thématiques seront organisées autour de la présentation de projets et d'outils qui sont développés par l'ANAP sur ces thématiques. Et puis nous Nous aurons bien sûr le souci de ménager des temps d'échange en atelier entre participants. Et puis comme ce projet va donner lieu à la production d'une masse d'informations assez importante, nous vous proposerons d'organiser donc cette information sur une plateforme collaborative qui sera dédiée au projet, à laquelle vous pourrez accéder très simplement avec un identifiant et un mot de passe, et sur laquelle vous pourrez retrouver la bibliothèque d'outils, les newsletters, les supports qui seront présentés dans le cadre des journées thématiques, et puis un répertoire des chefs de pôle participants au dispositif et des projets qui sont menés par ces chefs de pôle, ce qui vous permettra d'identifier des collègues qui travaillent sur des sujets proche du vôtre. Alors pour clore cette présentation du dispositif, nous avons souhaité vous rappeler les principes de votre engagement, donc tels qu'ils sont formalisés dans le contrat d'engagement que vous-même avez signé avec votre chef d'établissement et l'ANAP. Donc le principe d'un engagement, d'un investissement en temps, puisque nous vous demanderons de participer à deux événements nationaux, donc la journée de lancement d'aujourd'hui et puis la journée de clôture qui sera organisée à la fin du dispositif, donc en mai 2014. On vous demandera également de participer à la formation, à la gestion de projet et aux sessions de coaching et puis à la session de clôture projet en groupe, c'est-à-dire 9 jours de présence sur l'ensemble des 18 mois que compte le dispositif. Et puis de vous rendre disponible pour les 9 appels téléphoniques et intercessions avec votre coach. On vous demandera bien sûr de mener le projet donc sur la base de l'objectif qui a été contractualisé avec votre direction et avec l'ANAP, en vous appuyant sur la méthodologie et les outils que nous mettrons à votre disposition. Et puis nous vous demanderons, si vous en êtes d'accord, de contribuer au partage d'outils et d'expériences avec la communauté projet pour que ce partage soit le plus riche possible pour l'ensemble des participants. Alors dans cet engagement, vous serez accompagné bien sûr par une équipe, l'équipe de l'ANAP, donc qui est en charge du suivi, de l'animation et de la conception du dispositif, donc qui est placée sous la responsabilité de Thierry. Et puis au sein de cette équipe, chaque pôle aura une interlocutrice identifiée. Et bien sûr, nous ferons en sorte de nous rendre disponibles pour répondre à toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir. Et vous serez accompagné donc tout au long de ce dispositif par un coach, le même du début à la fin. Alors pour cela, nous avons fait appel à 3 sociétés, le groupe MAGE, la société Référis et la société InnoConseil. Et nous avons été attentifs, bien sûr, à choisir des profils de coachs expérimentés qui ont à la fois une solide expérience du coaching et puis aussi une bonne connaissance du secteur hospitalier et donc qui seront capables de vous guider de la manière la plus pertinente possible dans la conduite de vos projets. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Sylvie qui va vous présenter la typologie des pôles et des projets qui sont impliqués dans ce nouveau dispositif. Donc une rapide photographie de qui vous êtes et d'où vous venez. Donc vous êtes 118 et vous venez de 93 établissements. Et 85% d'entre vous viennent du secteur public. Donc... Ouais, je voulais vérifier qu'on lisait bien de loin. Donc 19% en CHU, 12% en CHS, 7% CHR, 47% CH et 15% de autres qui se répartissent entre quelques établissements privés et les ESPIC à hauteur de 10%. Donc beaucoup de pôles cliniques, hein, vous représentez la majorité des pôles qui sont présents, 74%. On a 25% de pôles médico-techniques et 1% de pôles administratifs, logistiques et techniques. Géographiquement parlant, les régions qui sont les plus représentées sont la région Rhône-Alpes, le nord de la France et l'ouest. C'est assez peu... la partie ouest et sud-ouest est assez peu représentée. Donc vous avez un gradient de couleurs qui vous indique que les couleurs les plus foncées sont les couleurs, les départements et les régions présentant le plus de chefs de pôle. 20 régions et 53 départements. Je vois qu'il y a des gens qui... Je vous la laisse un petit peu. Tout le monde est sur la carte, hein? Bon. Je passe. Donc sur les 118 pôles, donc chaque pôle est engagé sur un projet, contrairement au dispositif précédent où effectivement 3 projets à conduire, c'était peut-être un petit peu ambitieux et difficile. Donc là, vous pourrez vous focaliser sur un projet. Donc ce projet, ça a déjà été dit ce matin, est validé au sein du pôle et par votre direction. Il est forcément porteur de sens et utile au pôle. Et l'objectif que vous avez fixé est un objectif à atteindre à l'horizon mi-2014. Les 71% de ces projets sont inscrits dans des projets de pôle. Donc sur la typologie des projets, la grosse partie concerne la gestion opérationnelle, 44%. 23% des projets concernent le pilotage et la gouvernance du pôle. 14% s'occupent de développer de l'activité. La démarche qualité regroupe 11% des projets et la filière de soins 8%. Donc, ce qui va se passer dans les quelques semaines à venir, donc dans les prochains jours, on va vous envoyer une information sur le groupe auquel vous appartenez, son nom, les autres participants et le planning et lieu des premières sessions, puisque nous avons déjà planifié la date, enfin vous connaissez déjà les dates de formation à la gestion de projet. Je crois que si, parce que... Vous devriez, ce sont des dates qui ont été communiquées il y a très longtemps. D'accord. Bon, dans tous les cas, ça va vous parvenir cette semaine. Donc la formation gestion de projet a lieu en janvier et la première session de coaching a lieu en février. On va vous envoyer donc les dates et puis les lieux où elles se tiendront. Pour le reste de la planification, ce sera défini au sein du groupe avec votre coach dans un cadre temporel fixé, mais au sein duquel vous aurez quand même un peu de latitude pour vous adapter le mieux possible à vos contraintes. En décembre, vous aurez un contact téléphonique avec votre coach pour faire connaissance et une convocation officielle aux sessions prévues de janvier. Et janvier-février, donc, formation à la gestion de projet à la conduite du changement et la première session de coaching.